Bonjour, je m'appelle Riyad et je vais vous lire un texte qui s'intitule Oscar et la Dame Rose d'Eric Manuel Schmitt. Lettre 1. Oscar et la Dame Rose. Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans. J'ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligée. Parce qu'écrire, c'est guirlande, pompons, risettes, rubans, etc. Écrire, c'est rien qu'un mensonge qui enjolive. Un truc d'adulte. La preuve. Tiens, prends le début de ma lettre. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, le futur faux chat, au chien, à la maison. Rien que des grilles, les poissons rouges, haha. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. J'aurais pu aussi bien mettre. On m'appelle Crâne d'œuf. J'ai l'air d'avoir 7 ans. Je vis à l'hôpital à cause de mon cancer. Et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je ne crois même pas que tu existes. Seulement, si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses. Ça m'arrangerait même que tu aies le temps de me rendre 2-3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa. Avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants. Et avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein... ou popcorn. Bref, l'hôpital, c'est le pied si tu es un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Dusseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus. Je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage. Je me suis laissée endormir. J'ai eu mal sans crier. J'ai pris tous les médicaments. C'est un jour, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Dusseldorf, avec ses sourcils noirs, qui l'a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge.